Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo. C'est notre rencontre habituelle le vendredi soir que nous attendons tous. Celles et ceux qui sont devant leur écran, celles et ceux qui sont dans cette église et qui ont bravé une nouvelle fois la grève pour arriver jusque-là. Nous fêtons Saint François de Sales, qui fut essentiellement un pasteur. Où l'enseignement de Saint François, c'est, au fond, tout faire par amour. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous offrons à l'amour qui pardonne. Demandons effectivement pardon pour tous nos manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenu par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens, en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route, et il y a une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui disent « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes, il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria « Mon Seigneur le roi !» Saül regarde derrière lui
David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent « David te veut du mal ?» Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Regarde, Père, regarde donc. Voici dans mes mains le pan de ton manteau, puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne l'ai pas tué. Reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme le dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé, après une puce, que le Seigneur soit votre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste et plus que moi. Car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il laisser passer, partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes. Aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12, Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ a prié son Père avant de choisir ses disciples, car c'est bien l'affaire de la Sainte Trinité. Mystère de cette élection, il choisit ceux qu'il voulait. Oh non, pas parce qu'ils étaient les plus doués. Ah non, il les a choisis par pure gratuité. La vocation, elle est de l'ordre de l'amour. Et que ceux qui ont été appelés ne l'oublient pas, afin de ne pas succomber au carriérisme. La vocation ne nous appartient pas. Il en institua 12. L'appel est une véritable création. Les disciples sont institués, c'est-à-dire marqués à vie. On est disciple 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas des fonctionnaires du culte, on est d'abord disciples. Et ils sont institués, pourquoi ? Pour être avec Jésus. Que signifie être avec Jésus ? C'est entrer dans sa communion avec son Père. Le disciple est un être de prière. C'est la plus belle façon d'ailleurs d'être avec le Maître. Comme nous le dit le Seigneur, le disciple doit demeurer en lui, en son amour, en sa parole. Et donc le disciple est à l'écoute du Maître. Et c'est pourquoi il médite chaque jour la parole de Dieu. C'est cette parole qui nourrit la relation entre Jésus et son disciple. Mais le disciple doit aussi revêtir les sentiments du Christ. Il doit s'incorporer à lui. Et c'est pourquoi la vie sacramentelle, elle est aussi essentielle. Deviens ce que tu reçois, dit le grand saint Augustin. Deviens toi-même le corps du Christ. Mais il ne s'agit pas simplement d'être avec le Christ. Il faut aller proclamer cette bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. C'est cette bonne nouvelle qui libère notre liberté. Le disciple ne s'installe pas dans un confort apostolique. Il est envoyé. Il ne choisit pas sa mission.
Et l'aventure apostolique, elle commence par écouter nos contemporains et discerner leurs attentes, si toutefois ils en ont. Mais en tout cas, à nous, de susciter le désir de la rencontre. L'apôtre doit être patient. Ensuite, il annonce la bonne nouvelle avec audace. N'ayons pas peur d'annoncer l'Évangile, même si le monde a du mal à l'entendre. C'est le monde qui doit s'adapter à l'Évangile et non le contraire. Oui, Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, allume en nous le feu de l'Esprit qui brûlait d'amour le cœur de Saint François par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Sales, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, vas-y.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François de Sales et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Mehdi, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Accorde-nous par cette communion, Dieu Tout-Puissant, d'imiter la douceur et la charité de Saint François pour obtenir avec lui la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris, nous nous confions à elle et nous confions toutes celles et tous ceux qui sont avec nous grâce à Catéo. Alma, redemptoris mater, qui per via celis porta manes, et cadenti surgere qui cura populo tutque genuisti natura mirante tum sanctum genitorem Virgo prius ac posterius Gabrielis abore Silvio